Bonjour et bienvenue, on est de retour pour plus de Fear and Anger. Et on va continuer notre bonne sauvegarde. Donc on a l'air d'être bien ici. Donc on a plusieurs choses à faire. Alors déjà il faudrait... Je crois qu'on avait récupéré un parchemin pour ouvrir la porte là. Pour gagner des habilités, non? Donc on regarde, parce que ça aussi j'y ai juste pensé en fait. Hein. Plus tard, poudre, non... Est-ce qu'on a un parchemin? Talisman de purification. Je crois que c'est ça, oui, c'est ça qu'il nous faut. Donc ce qu'on peut faire... Est-ce qu'on doit manger? Non. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller ouvrir la porte, voir ce qu'on peut récupérer. On est allé, ouais. Voir ce qu'on peut récupérer en habilité. Par là. Après, ce qu'il faudrait faire, c'est... Donc comme je disais la dernière fois, je parlais du fait que là, on est déjà 3. Et on peut être que 4 au maximum. Ah oui, il y a eux aussi à tuer. Je pense que on peut les combattre maintenant. Fais voir. Attendez, on peut faire peut-être le coup de la flèche. Juste pour être sûr, en fait. Waouh, je l'ai tué. Oh! Oh. Pierre d'âme, nickel. D'accord, en fait, je crois que le fait... Maintenant, je comprends un peu. On a combien de flèches? Parce qu'en fait, c'est vachement utile, du coup. Flèche de fer 7. Si on a l'habilité... Du coup, je crois, si on a tir à l'arc... De haut niveau, utilisez vos précis pour éliminer les affaires. Je crois qu'on peut tuer en fait. Une personne est coulée sur la statue. Le sacrifier. Oh, il y a eu un bruit. Par cette attaque, votre affinité avec Almer s'intensifie. Ah! Ah, il est là. Je crois. C'est le... C'est lequel, celui-là? C'est le blindé ou pas? Oui, c'est le blindé. On peut le tuer? Oh, ça tue... C'est trop bien! Ok, on va garder... Mais c'est trop bien. Bon, on va garder ça de côté, hein. On va garder ça de côté. Je me demande si le Morgenstern n'est peut-être pas mieux. Parce qu'on gagne, on perd un peu de dégâts, mais on peut mettre saignement et tout ça. On va peut-être prendre ça. Mais c'est trop bien. Donc du coup, là, on a gagné encore un parchemin. On a gagné une pierre. Âme inférieure. Âme d'âme. Pierre d'âme. Ok, on va garder la pierre d'âme de côté. Ok, donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est redescendre pour aller ouvrir la porte. Il y a tellement de trucs à réfléchir, honnêtement, c'est super compliqué ce jeu. Dans le sens, en fait, c'est vachement intéressant parce que c'est très très RPG, mais il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à garder en tête. Et là, on a augmenté notre affinité avec un des dieux. Donc en théorie, on pourrait avoir accès à un des dieux. Enfin, accès à des pouvoirs. Je crois. Et si jamais on a besoin de place, on peut sacrifier la goule. Ah oui, maintenant c'est... Attendez, je peux vous montrer avec la souris. Maintenant, on a ça qui est débloqué. Parce qu'on a augmenté notre affinité. Putain, c'est très très chiant. Portail de sang. Oui. Gravé dans votre mémoire, nickel. Alors, portail de sang, ça nous permet de nous téléporter à des endroits. Du coup, c'est beaucoup moins embêtant, en fait, pour la nourriture, les choses comme ça. Alors, attendez. Est-ce que, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a de la viande crue. On peut aller la faire cuire. Ah, portail, là. On avait prié ici, hein. Oui. Ok, très bien.
Cercle de Disney gravé au sol, montrer de l'amour. Alors, prier une fois, ça suffit. Si vous priez plus de fois, c'est pas bon. Montrer de l'amour, bon, c'est coucher avec quelqu'un. Et après, sacrifier, c'est tuer une personne de votre équipe. Donc, techniquement, on peut tuer la goule. Pour Gros Gorof, là, je crois que c'est lui. Voyager, entrer, ok, ça marche. Allumer ça. Pour Gros Gorof. Mais nous, on n'en a techniquement pas vraiment besoin pour le moment. On va garder la goule avec nous, hein. Ça nous fait une équipe supplémentaire. On l'a déjà fouillé, on n'a pas vraiment faim, il n'y a que la petite fille qui a besoin de manger. Elle était où la cuisine? Mon Dieu, ça me rend fou. Ah, elle était là. Nickel. Ah ben, on avait de la viande crue. Il n'y avait pas un vendeur quand on ressortait à l'entrée là. Alors, bien le bonjour. Qui êtes-vous? Alors, potion de soin max, potion de vie, santé mentale max. On va prendre potion de vie, je pense. Merci. Au revoir. Alors, il faudrait que la petite elle mange, parce que sinon elle perd de la vie. Notre mec aussi a perdu de la vie parce qu'il avait la faim niveau 1. Donc ça c'est vraiment embêtant. Ça c'est vraiment embêtant. Ok, très bien. Maintenant on va où? Ah, porte. Il y avait des trucs que j'ai pas tout fouillé en fait. Par contre, je crois qu'on va faire torche. On avait fouillé ça? Déjà fouillé. C'est juste la porte. La goule commence à avoir faim. Je sais pas si. Oh, fais gaffe, il y a un clou. Quoi qu'il a l'air cassé, le clou. C'est où ça? C'est l'éboulement. Là, j'avoue que je tourne un peu juste pour voir ce qu'on peut récupérer. C'est semble être verrouillé, ouvrir. Putain, mais on peut pas utiliser le crochetage, bordel! Arc court, du coup, ça m'aide pas. Je suis en train de me demander, est-ce qu'on peut. Là, je sais pas trop en fait ce qu'on cherche. Donc je me balade un tout petit peu. Donc si jamais. Si jamais on tourne un peu trop en rond, bah on recharge la partie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on a techniquement pas fait grand-chose. Bon, faut qu'on avance. Ok, très bien, on est reparti par là. Donc là, il y a les... Il y a eux. Donc il faut absolument qu'on trouve... Le levier. Ok, ça non. Faut absolument qu'on trouve le levier. C'était ici qu'il y avait le. Ah oui, non, mais on l'a tué, le blindé, là. L'élite, le garde élite. Ça, on avait fouillé, je pense.
Je regarde s'il n'y a pas des pages en fait à récupérer supplémentaires. Donc là c'est pour... je sais plus où ça va. Ah oui non, si ça c'est avec l'arbre qui est bizarre là. L'arbre maudit là. Fais voir notre... On devrait manger. Ah on peut utiliser la pierre. On utilise la pierre d'âme sur eux ? Non je pense pas, on va la garder de côté. Les pierres d'âme c'est quand même assez... c'est rare. Là c'est la... Okay. Là c'est l'hydre. Parce que là en fait on commence un tout petit peu à tourner en rond. Donc du coup on a combien de soins ? Non pas de soins, de briquets. 3. Parce qu'en fait oui voilà, on commence un tout petit peu à tourner en rond. Donc c'est vraiment pas bon en fait pour nous. De ça, du coup, on commence à avoir faim, on n'avance pas vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une mauvaise chose. Donc c'est pour ça que si jamais on perd trop de temps et qu'on s'est perdu, on recharge. Ok, on redescend. Maintenant on est 3 de toute façon, ça devrait bien se passer. Il y a quoi en bas? Okay. Donc là, il nous faudrait... le levier. Je pense que le levier il est là. Euh, 39 d'esprit. C'est pas très bon ça. Ça va où là? Ok. On avait tout pris là? Je pense que oui. C'est pour ça qu'il est vachement intéressant ce jeu en fait, pour ceux qui adorent les, le côté RPG comme ça. Il y a tellement de choses à laquelle il faut penser. C'est vachement... Ouh, attention le clou. C'est vachement intéressant en fait. Mais par contre c'est assez compliqué dans ce sens là du coup. Après, je me demande si on peut pas crafter des explosifs et tout ça. Ah oui, alors là, c'est sûrement par là en fait. Il n'y a pas le... l'élite. Je sais qu'il y avait un élite une fois. Mais apparemment, il est peut-être plus là. Ah, putain, oh, il est juste là, il devient. Goul est affaibli par la faim. Mais faut vraiment te donner à manger la goule ou pas? Honnêtement, j'ai pas vraiment envie. Ah, par contre, est-ce que je fais bien de passer par là? Non. On va faire demi-tour, on va prendre le machin là, l'ascenseur. On va aller récupérer Moonless, je pense. Et on va pouvoir avancer un peu. Et après, je crois qu'on peut rencontrer... comment il s'appelle l'autre? Darcy ou je sais pas quoi. Non, Kala machin. Le mec était avec nous. Qui nous a volé là des pièces. Du coup, ça nous ferait 5 personnages. Donc du coup, on va avoir un problème. On va avoir un problème. Si on peut prendre le chien directement, ce serait trop bien. Oh. Attends, si on peut directement avoir le chien... Je sais pas où il est le chien en fait. Normalement il était sur le... après un pont en fait. Fais voir, elle est à la fin la petite. Oui. C'est un peu embêtant ça. Oh, c'est peut-être là. Non.
Ah, si, c'est peut-être là. C'est quoi ça? Une ancienne statue érigée ici. Voulez-vous prier? Sylviane. Maintenant, on essaye de faire Sylviane. Sylviane, je crois que c'est celui qui a les soins. Ok. Je sais pas si ça sert à quelque chose de lui parler. Les gens sont mal déprimés, comme toujours. La vie est étrange, souvent étrange. Tout à fait vrai. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est donner la petite fille. Donner la petite fille pour une arme. On peut faire ça. Parce que si vraiment elle nous aide pas, en fait. Refuser l'échange. Pour le moment, on va refuser l'échange. Mais c'est vrai que si elle nous aide pas vraiment, elle sert un peu à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, putain, je me disais, où est-ce qu'elle est, quoi. Oh mon dieu, j'espère que la goule, elle va pas taper. Donner un autre morceau. Accepte sans... Ok, ça a marché. J'ai eu peur. Essayez de vous rejoindre. Ok, nickel. Ça, on va en... Frère, mucus jaune. Bon bah c'est bien. Là on peut défoncer plus ou moins tout ce qu'on veut. Mais ouais, la petite fille pour le moment est... Est pas vraiment... Utile. Ça, ça m'embête un peu. Ça m'embête légèrement. Genre limite la goule est plus intéressante, vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est parce que j'étais pas assez proche du beurre. Alors, on va faire ça d'abord. Ça. Non mais sérieux, vous, c'est quoi ça? Pas mon chien. Sans déconner, mon chien il est infecté. Perdu son bras à gauche et saigne abondamment. Quoi, la goule? Bon, on s'en fout. Ok. Faudrait que la goule reste encore en vie. Faudrait que la goule reste encore en vie le temps qu'on puisse la... Oh. Oh, pardon, c'est pas ça que je vais faire. Pierre d'âme. Ah, mais on peut détruire les œufs en fait. La faim rend goule malade. À l'intérieur du dégoûtant, ça a une odeur pourrie. Du coup... Alors, je crois que l'infection là qu'on a, je crois qu'on peut pas vraiment l'enlever. Si je... Ah non, si, on avait des fioles.
Alors, ce qui se passe, c'est que je crois que au bout d'un certain temps, le personnage meurt. Et en fait, le temps, il se... Pour l'infection, en fait, c'est par rapport au nombre d'écrans, en fait, que vous faites. Je crois que c'est ça, la mécanique. Par contre, je voudrais bien tuer la mère, là. Comme ça, on en finit. Ok, très bien. Et ce qu'on peut faire, c'est couper une patte au chien. C'est une fille. Hein. Elle en a quatre. Oh non. Mon Dieu. Elle est où la mère là? Je voudrais bien la finir en fait. Oh mon Dieu, c'est débile. Hein. La première fois qu'on était venu ici, on s'était fait attaquer genre non-stop. De là, là, genre perte de temps, ça va, ça se passe bien. J'ai pas vraiment envie d'utiliser un tissu là pour la goule non plus. Putain, mais t'es sérieux là? C'est débile. Bon, bah on avance. La fin rend ghoul dingue. Ouais, on s'en fout. Je crois qu'on s'en fout. Je suis pas sûr en fait. Si on s'en fout ou pas. De toute façon, je crois qu'on va devoir la. Sentir une plante terrifiante entrer dans le donjon. Oui, ça va. Alors, minière récente, rocher, monte des marques, étude, minière récente. Prendre une pierre. Ok, donc là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a, la fillette? Fiette se tient à terre et tremble visiblement. Elle semble hésiter à continuer. Quelque chose ne va pas? Fiette vous regarde avec des yeux larmoyants. Elle a l'air complètement sous le choc. Ce serait peut-être mieux pour toi de rester là. Et c'est vraiment, nous devons être forts. Parole semble réconforter la fillette dans une certaine mesure. Elle opine de la tête. Okay. Putain, c'est bien. Non, on peut passer par là. Ah, attends, on peut prendre ça? Prendre la torche. Ah! Marquer une personne accroupie dans l'obscurité. Ah oui. Personne ne semble pas immédiatement dangereuse et agressive. Vous semble avoir remarqué votre présence. Attendre que la personne s'en aille, vous montrer. Bonjour. Nosramus. De nouveaux visiteurs. Je m'appelle Nosramus. Je suis une alchimiste qui vit ici. Enchanté de vous rencontrer. Vous ne pouvez pas tout à fait dire si la chimiste est une femme ou un homme. Quelque chose dans sa stature semble presque surnaturel ou ancien. Ravi de vous rencontrer. L'alchimiste aux cheveux blancs vous adresse un sourire qui semble presque trop sincère. Mes excuses, j'ai laissé une bouilloire sur le feu et je suis un peu pressé. Retrouvons-nous plus tard. D'accord. Je peux bouger ou pas? La personne a disparu dans l'obscurité, les échos de ses pas résonnent au loin avant de disparaître complètement dans l'humidité là. Ok. On va faire demi-tour. Je savais même pas qu'on pouvait passer par là en fait la dernière fois. Par contre, on a un truc, c'est surtout sauver notre chien quoi. Qu'est-ce qu'on en fait? Petite clé. Forcément. Genre le problème c'est ouais, c'est qu'est-ce qu'on comment on sauve notre chien? On lui coupe une patte ou on lui injecte un remède?
la recrue. Forcer la porte. Voilà, là j'avoue que j'avance un peu, genre vite. C'est surtout de l'exploration là ce que je suis en train de faire. Oh putain, parce que... Ça c'est parce qu'il a faim. Ouais, mais faudrait tuer un truc en fait. Ah là, à la limite, ce qu'on peut faire c'est ça. Ah mais vous avez faim souvent les gens. Ça fait que ça enlève combien l'œuf? Ah mais ça enlève quasiment rien. D'accord, c'est bon là? Vous avez toujours le debuff ou pas? Putain, vous avez toujours le debuff. Je... Ah, ça, c'est chiant. Faut qu'on ait plus le debuff en fait. La ghoul là qui est en train de mourir. Putain, c'est débile. Un truc qu'on va faire aussi, c'est ça. Non, ça. T'es bon? T'es bon. La ghoul, c'est vraiment le membre du groupe qu'on peut genre ignorer. Hein. C'est pour ça que je m'en soucie pas des masses, en fait. Ah, tiens, on a le... Utiliser la nécromancie. Ah, on peut utiliser la nécromancie sur les cadavres. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On attaque le truc maintenant? Ouais, on sait comment combattre. Normalement, on devrait... Ah ouais, on a récupéré une robe de prêtre aussi. Devrait pouvoir y arriver sans trop de problèmes. Ok. Normalement, on devrait y arriver sans trop de problèmes. Non, putain, ça avance bien. Faut que ce soit la petite fille. Ok, très bien. Perdu votre position. La ghoul, ça serait intéressant qu'on la sacrifie en fait assez vite. Dieu. On va la soigner là, non? Potion miraculeuse censée ramener à la vie celui qui gisait par le passé. La couleur du liquide vous donne la nausée. Ah. Ça. Merde, je me rappelle plus. Vert, c'est pas le soin. Vert, c'est les infections. Le bleu, c'est le soin. Ça fait pas de saignement le Morgenstern, hein. Ok.
Hein, j'ai pas l'impression que ça fasse du saignement, hein. Pierre dame. Hein. Alors, utilise le couteau écorcheur. Oui. Viande de salamandre. Ok, très bien. Donc maintenant, en théorie, on a l'âme de salamandre. Donc ça empêche les démembrements et les saignements. Alors, je crois que ce qui est intéressant, c'est que... Attendez. Je crois qu'on peut... Ouais, mais non, toi non plus. On peut l'équiper, en fait, aux gens quand ils ont, par exemple, un saignement et ça retire le saignement. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Par contre, le problème, c'est qu'il faudrait... Ah oui, tout retirer. On peut tout retirer, ça marche. Ok. Ouais, non, le Morgenstern, j'ai pas l'impression que peut causer un étourdissement momentané aux ennemis ainsi que des saignements. J'y crois pas du tout, mais bon. Ah! On peut prendre plusieurs morceaux, en fait. Attends. C'est où, le machin de salamandre, là? Putain, tout ce qu'on a comme objet... Pff. Viande de salamandre 2, bien gras et sont délicieusement bon. Ah, donc attends, tu peux... Ok, tu peux en fait cliquer sur plusieurs parties en fait de la bestiole. D'accord, putain, faut le savoir. Non, cadavre, non. Y a pas un... Ah, attendez, c'est pas là où on va avoir l'épée aussi? La goule, elle va mourir. Faudrait pouvoir sacrifier la goule, en fait. Mais il n'y a pas un cercle ici, dans cet endroit? Je sais pas s'il n'y a pas un cercle ici. Ah, la goule est morte. Oh mon dieu. Ici repose goule. Vous pouvez utiliser la pierre d'âme. C'est pas sympa ça. Bon bah la goule est morte, on n'en parle plus. Mine niveau 6. La goule est déjà morte. Merde. Ouais, on peut... Oui, on est... Oui. Content de te revoir aussi. Nickel, ok. Bon, du coup, les sacrifices, ça va être un peu compliqué pour nous. On va peut-être pas les faire. Alors, on a toujours pas trouvé de bouclier, par contre. Ça, c'est un peu abusé, je trouve. Ah oui, c'est vrai qu'on a la couronne. Couronne de pierre. Alors, toi, t'as l'épée longue. On peut te donner la lance. Très bien. Je suis un peu confus, en fait, sur ce qu'on peut faire. Ah, ça fait deux torches, ça. Ah non, on en a deux, en fait. Non, j'ai rien dit. Fiole bleue, on en a deux aussi. Ok, nickel. Fiette à faim. Ouais. Ah, chier. Bon, ça doit être pas mal, là.
Attends, comment? Vous êtes sérieux là? Anneau spectral. Oh, anneau spectral, c'est celui-là qui redonne. Qui redonne. DHP. Alors attends, parce que là, il y a Moon. Il y a Moon là qui est vraiment pas bien. L'autre, elle est empoisonnée. Moon, il saigne. Elle saigne. Ah putain, quand vous avez plein de membres, c'est la galère. J'avoue que c'est la galère. Alors, viande de salamandre. Viande de salamandre, je me demande si on peut pas la faire cuire pour l'améliorer. Alors, déjà, faudrait virer ce saignement. Après, t'es malade. Alors, on sait que les verres, c'est pas ça. Genre, le jus de verre, c'est pas bon. Donc, non, c'est pas ça qu'on veut. Je crois que c'est ça qu'on veut. Je crois que c'est ça. Putain, j'ai peur de l'utiliser pour rien. Ok, c'est ça. Nickel. Maintenant, il faut. Il faut. Que j'y arrive. Il faut. Un antidote pour le poison. Et ça, c'est potentiellement quelque chose qu'on n'a pas. Blanche. Utilisée comme un antidote contre l'empoisonnement. Si on l'a. Ok. Maintenant, il faut soigner Moon. Faut lui donner à manger aussi, tant qu'on y est. Viande pourrie. Très bien. Moins faim et faut qu'on la soigne. Par contre, on va regarder si on peut pas faire de ça. Ça, c'est les empoisonnements, enfin les infections. Ça, c'est pour la vie. Je vais pas y arriver avec ce système-là, là. Genre le fait que le bleu, ça soit le soin. Je suis sûr que le mec a fait complètement exprès hein, d'inverser. Hein. Juste pour rendre fou. Le truc qu'on puisse pas mixer deux fioles bleues, du coup ça c'est un problème pour nous. Donc du coup on va rester avec les rouges et bleus pour le moment. Donc là, ce qu'on peut faire c'est soigner. Parce que on est d'accord que Moon on peut rien lui mettre. Non, on peut pas lui mettre des accessoires. Donc ça c'est pas grave. Rouge et bleu. Nickel, 70 points. Très bien. Alors, ce qu'on peut faire, toi, t'es pas au max de ton corps. Ce qu'on peut faire, c'est anneau spectral. L'anneau spectral, on peut le retirer. Je l'ai éteint. Est-ce qu'on a autre chose? Non. Très bien. Beaucoup moins fin. Prenez une pierre. Fais voir l'esprit. 39-47. C'est pas énormissime, mais bon. Faudrait donner un peu à manger à la petite. Je sais pas si tout ça, là, genre carottes, choux, genre les choses comme ça, est-ce qu'on peut en faire quelque chose de plus que salé? Ou alors c'est juste de la nourriture, genre vraiment minime qu'on a trouvée? Est-ce que c'est dans cette région qu'on avait trouvé l'épée la dernière fois? Oh mon dieu, fantôme. Non, 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 non.
pas déjà, quoi. Ah, c'est là l'épée. Alors. Que je fasse pas de conneries. Nous, on a le passage de Mahabre. Mahabre. Donc, c'est ça qu'il nous faut. Alors, fais voir. Une épée mystérieuse coincée dans la roche. La prendre. L'impression que vous pourrez la retirer. Alors. La prendre. Ok, nickel. Maintenant, le les passages de Mahabre. Ouh, ça. On entend le... Ah, très bien. Normalement, ça marche. On va voir si ça marche. Vous êtes effrayé. Ok. Maintenant, on va se balader là. On va essayer de trouver des objets, quoi. Casque en cuir. On peut pas rester très longtemps. Très bien. On va prendre ça. Ouvrir. Ah, encore ! Putain, mais crochetas, ça sert à rien, en fait. L'ancienne station de Miasma... Je sais pas quoi. On va pas aller combattre la chose bizarre, là, étrange. On va passer autre part, parce que... Cité en plus en plus l'air d'être qu'une illusion. Très bien. Déchets. De l'huile. Encore un coffre. Tenue de fourrure, ouais, on s'en fout un peu. J'avoue qu'on a des... J'ai pas envie de me porter la poisse, hein, mais... Allez, le passage de Mahabre tombe en poussière tandis que vous revenez dans ce monde. Tada! Donc, il y a eu l'éboulement. Il y a eu l'éboulement. Je crois que dans l'éboulement, on peut récupérer encore autre chose. Mais je sais pas exactement où c'est ou ce que c'est. Peut-être par là. C'est ça? Il y a une petite crevasse à cet endroit. C'est quoi ça? D'accord. Il y a des trous partout en fait. Sérieux? Oh, c'est quoi ça? Alors, il y a un squelette ici, enlacé dans les racines de l'arbre. Inspectez. On dirait que le squelette est là depuis des siècles. En jugé par les vêtements, vous diriez que cette personne venait de quelque part loin de l'Est. Vous récupérez robe de soie orientale, Jingaza Kabuto et l'amulette de Yage Atsu sur le squelette. Ben voilà. Le mur a l'air mou à cet endroit. Oh! C'est quoi ces plantes là? Oula, non, 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 ça a l'air un peu... Ouais, non, mais ça a l'air un peu trop vénère pour moi. Et je le réconfort de votre part, il semble être en grande détresse. Ok. Ouais, non, mais on va pas aller là-bas. Alors, on a récupéré une masse en fer, rouillée particulièrement lourde, peut étourdir les ennemis. Le pêcher bleu, belle et légère, épais avec une main, avec une fine gravure bleue, si la poignée est inscrite pour les pêcheurs. Donc, on peut prendre l'épée.
Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Le Jingasa Kabuto, chapeau de fer stylisé et renforcé, généralement porté au Orient. Il a été modifié pour servir en combat. On perd un peu de défense pour gagner de la défense magique. Pourquoi pas? Robe de soie orientale. Malgré son apparence fragile, elle offre une protection décente contre les pouvoirs surnaturels. Ouais, non, là on perd un peu trop de physique quand même. Ça c'est pas mal. Ah tiens, on peut lui mettre ça à la fille. C'est trop bien. Je sais pas trop quoi mettre. Toi, tu vas garder la lance, je pense, que c'est celle qui fait le plus mal. Je vais prendre ça. Le gilet de cuir est pas mal, hein. J'ai pas vraiment envie de. J'en sers, ça vaut le coup en fait. Et après, on a eu quoi? L'amulette. Une amulette qui serait tombée de la robe du guerrier errant et augmente le taux de coup critique du porteur. On a le talisman, il est toujours attentif et bienveillant. Il semble atténuer vos sentiments de peur et de terreur. On peut mettre ça. On peut mettre talisman, Mathias. Ça, c'est pour remettre sa vie. Ouais, on va faire ça. Ok, bon, il faut qu'on se casse d'ici. Faut qu'on mange ou pas? Oui, il faudrait qu'on mange. Faudrait qu'on remonte l'esprit aussi. Oh là là. Ah, les gens, hein. Toujours quelque chose, hein. La petite fille, elle bouffe, hein. La petite fille, elle bouffe. J'avoue que là, niveau nourriture et tout ça, c'est un peu relou, là. Là, on commence. Je sais pas si on est un peu à court d'... Non, je pense pas qu'on soit à court de quoi que ce soit, mais... Faut faire gaffe, quoi. Vous êtes effrayé. Ah oui, c'est vrai, l'esprit. Comment on gère l'esprit? Potion bleue, c'est l'esprit ou pas? Ah non, ça, c'est fiole d'eau. Esprit bleu, c'est la vie, je crois. Esprit, on a plein de liquide inflammable, violent vert. Je crois qu'on n'a pas grand-chose pour l'esprit là sur nous. Si? Ah, on a la pipe. On a du tabac, on n'a pas de tabac. Ouais, pour le moment, on va laisser ça là. Hein. Remarquez que la main de la fille elle tremble, elle a l'air complètement terrifiée. Tu veux quoi? Tout le monde est terrifié là, tout le monde est terrifié. Ça va? On essaye de sortir, ok? Restez calmes les gens, on essaye de sortir. Kara commence à avoir faim, c'est tout le monde a faim, tout le monde est... Télépée. Les gens, on a du bon matos. Commencez pas à me gaver à péter des câbles. Hein. Oh merde. T'as l'autre, il vient vite, hein. Ok, bonjour. Ah, on va peut-être participer à ça par contre. Va participer à ça. Bon, fermez vos yeux, hein. Bon, on voit rien, ça va. L'isère de chair vous absorbe totalement, presque. Pour ça que ta affinité avec Gros Gorov s'intensifie. Ah, c'est tout le monde! Ah, mais vous avez tous participé? En fait.
Ah, vous êtes horribles tous, en fait. Vous êtes tous des monstres. C'est trop bien. Et vous êtes tous des monstres. Bon, le problème reste toujours l'esprit. L'esprit reste toujours le problème. Mais vraiment, on n'avait rien à fumer. Ouais, ça, c'est ça, c'est le problème. Il y a quelque chose là. Ok. Je crois que le chien peut monter de niveau ou un truc comme ça, genre pour augmenter sa puissance en fait. Quand elle fait ça, Moonless là. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Ah mais c'est un cul-de-sac en plus, c'est bien. Alors après, je crois qu'on peut le refaire ça. Enfin, je sais, je suis pas sûr. Mais si on peut le refaire, ça va être un lancer de pièces. Mais attends, du coup, on est bloqué ici. Parce que maintenant que j'y pense, on peut pas retourner sur la partie gauche. Ah oui, on peut pas retourner sur la partie gauche maintenant que j'y pense. Ah. Ça, c'est peut-être un peu embêtant, là. Qu'est-ce que c'est chiant de pas avoir de cartes, quand même. Tu perds tellement de temps à te balader. Du coup, on va devoir passer par... par le truc où il y avait les plantes bizarres, là. Torche, je l'ai éteinte. Torche, on a encore. Ah oui, attends, c'était là, mais il y avait aussi une autre crevasse, là. Un autre trou où on pouvait visiter. Faudrait qu'on aille sauvegarder. Honnêtement, ça serait... Noir, total intérêt, il semblerait que crevasse s'élargit un peu plus. Ouais, bon, on n'a pas trop le choix. Ah, ok, on est de retour dans la mine, je pense. Ok. Ok, je pense qu'on est sur la bonne direction. Je vais voir l'esprit. Ouais, l'esprit. Il faut garder les torches allumées, honnêtement. Oh, il y a plein de plantes. Ah, ça tue. Bah mince, c'est juste ça. Oh là là. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'esprit? Touchez pas les plantes parce que honnêtement elles ont pas l'air, elles ont pas une bonne gueule. Il y a des créatures bizarres partout. C'est quoi ces bruits? Ah mon dieu, où est-ce qu'on est? Oh mon dieu, où est-ce que je suis? Qu'est-ce? J'aime pas du tout être là. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que je donnerais pas pour aller sauvegarder quelque part? Ah, ça, peut-être? Non, on peut pas passer. J'ai l'impression qu'on pouvait passer.
Passe pas à côté des plantes. Honnêtement, elles me donnent aucune confiance. Genre dans l'alchimie sans. J'ai peur. Dans l'alchimie, ils en parlent pas de ces plantes-là. Oh mon Dieu. Ah, quoi que ça. Ça m'arrive. Attends, t'as l'air dégueulasse en fait, toi. Attends, 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 attends. Tiens! Tu t'apprendras. Ouais, des voix. Non. Oui. Le chuchoteur n'a rien de valeur. Ok, en plus, ça sert à rien de le. Carapace du chuchoteur est dur. Qu'est-ce qu'on fait? On mange? On va le manger. Dévorer les rats. Normalement, il est temps. Non! J'en étais sûr. Putain, j'y ai pensé en plus. Oh le débile, j'y ai pensé. Je me suis dit, s'il faut, il peut être empoisonné le machin. Ok, on va. J'y avais pensé. On va pas se retirer le poison maintenant. Parce qu'il y en a d'autres en fait. Ça a l'air aussi inutile de les combattre parce qu'ils ont rien. Oh merde. Oh mon Dieu, t'as l'air dégueulasse toi. Ok. T'as une sorte de lampe. D'accord, t'as rien du tout en plus. Ah, il y a un trou. Ben, c'est bien. La peur vous rend paranoïaque. Ok. Les catacombes. Putain, faut vraiment qu'on remette de... qu'on se remette de l'esprit, là. J'ai aucune idée. Cadavre est étroitement enserré, enserré dans la végétation. Vous êtes baissé la cheville en tombant? Ah, mais j'avais ça. J'avais ça, donc je risque rien, je pense. Je crois qu'on aurait pu se casser les chevilles, en fait. Donc ça va. C'est vachement bien, en fait, l'objet. L'objet de la... Non, pas besoin parce qu'on est plein. L'objet de la salamandre là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mouvement au coin de l'œil. Quel mouvement? Oh mon Dieu, c'est quoi ce truc? La fillette a l'air très tendue et effrayée. Oui, non, mais moi aussi. Hein. Ah, on est de retour dans les mines. Oh mon Dieu, non. Oh mon Dieu, non. Structure sauvage et débris. Ok. Non. Bon, ma merde. Non! Oh mon Dieu. Oh le. Oh l'idiot. Oh l'idiot. Oh ce jeu. Oh ce jeu. Oh ce jeu. Oh mon Dieu, il va falloir que je fasse une pause là. Mais genre une longue pause. Oh mon Dieu, ce jeu. J'aurais dû y penser parce que
La grotte, elle était déjà instable. Elle était déjà instable. Donc, du coup, le fait de faire une autre explosion. Oh mon Dieu, ce jeu, quoi. Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Je pense qu'on a techniquement bien joué tout le long. J'essaye de réfléchir en fait. On a techniquement bien joué tout le long. On a pu récupérer genre les armes assez puissantes et tout ça. On a utilisé les flèches quand on a trouvé des monstres en fait qui avaient l'air super vénères. Donc le tir à l'arc en fait est vachement puissant du coup au final. Hein, comment ça s'appelle? Le vagabond en fait avec l'arc plus le skill en fait, la compétence du coup ça permet de one-shot en fait les ennemis. Donc extrêmement puissant, extrêmement utile. Donc ça c'est vachement bien. Donc ça c'est une très très bonne chose. On avait récupéré la lame bleue là. Après, c'est peut-être une mauvaise chose de faire effondrer l'endroit en fait, la mine. Parce que la mine a l'air d'avoir plusieurs endroits où on peut passer. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on fait effondrer la mine, il y a beaucoup moins d'endroits, il y a beaucoup moins de passages. Donc je me demande si c'est pas une mauvaise chose en fait de faire effondrer la mine. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore? J'arrive pas vraiment à bien comprendre comment on avance dans le jeu. Genre on a les différents niveaux. Après on a sous le donjon, on a la mine. Genre on a la grotte d'abord avec Moonless là. Après on a la mine. Et après on a une sorte de, je sais pas, de jardin bizarre avec des lianes de tous les côtés. Je sais pas vraiment si c'est le bon endroit. J'arrive pas vraiment à bien voir l'enchaînement des zones qu'on doit faire. Mais ouais, mais c'est con parce qu'on avait fait quand même beaucoup de choses. On avait fait quand même beaucoup, beaucoup de différentes choses. Donc ça va être galère pour se rappeler en fait. De se rappeler de tout ce qu'on doit faire. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Il rend fou ce jeu, il rend fou. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien. Et... Ah, terrible. Ciao, ciao!